Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Le show contient les vraies affaires. Alors, bonjour à tous. Salut, mon Claudius. Ça roule, man? À tabac, monsieur le régisseur. Yes, yes. Toujours la même grosse salle. Yes, sir, pas mal de ça. Yes. Oui, c'est ça. Yes, pendant deux semaines de temps. Ouais, ça va vous faire du bien. Alors, venez pas plus gras, par exemple, parce que là, c'est vrai qu'on va juste voir ça. Là. On va vous dire, tassez-vous un peu, on voit plus l'Europe. c'est une blague. OK, parfait, c'est bon, yes. Annette, merci pour la job. Monsieur le Sandan, la Momoute, merci beaucoup, parfait. OK, donc, écoutez, je vais commencer avec mes présentations usuelles. Nous sommes directement live du 3055 Boulevard Hamel, local 114, le Gym Olympe, la seule vraie place à Québec où vous êtes capable de vous entraîner pour de vrai. Vous avez des vrais conseils, du vrai suivi, du monde qui s'occupe de vous, du monde qui sont conscientisés à votre santé, à votre mieux-être, qui vont vous aider, vous épauler dans une atmosphère, somme toute, très, très, très familiale et très motivante. Alors, écoutez, c'est beau, c'est propre, ça sent bon, les machines sont sur la coche, la musique est tripante. Puis, on est des gens motivés, professionnels et on aime ce qu'on fait. Donc, le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec, au 3055 Boulevard Hamel, local 114. Mais que serait cette émission sans vous, chers téléspectateurs, premièrement? Deuxièmement, je vais prendre la peine d'ouvrir une petite parenthèse vite comme ça, là. Je ne sais pas ce qui arrive de ce temps-ci, mais la chaîne YouTube, ça s'abonne à mort. OK, je vais vous demander un gros service, tout le monde. Mlle Catherine, bonjour. Je vais vous... je sais, mais je finirai par la poignée dans une de mes capsules. OK, yes. Je vais vous demander une petite affaire, OK? Écoutez, on est à 10 300 peut-être, OK? Bon, je ne suis pas le YouTuber le plus connu de la planète Terre, mais j'aime bien ce que je fais et j'aime travailler avec vous, chers téléspectateurs. Je vais vous demander un gros service. Vous allez voir, là, ça va être forçant, là. Okay? C'est exigeant, là. OK? Je veux que vous partagiez... OK? Une capsule avec quelqu'un de potentiellement que vous savez que ça peut intéresser. On est 10 300. Si chacun de vous trouve une personne, on vient de jumper à 20 000. OK? S'il vous plaît, partagez-le et faites en sorte que d'autres gens connaissent cette chaîne-là. Bon, écoutez, on fait partie de la francophonie, on est des Québécois, on a un accent spécial cassé peut-être un peu. Mais bon, écoutez, on dit pas des niaiseries dans notre show au sens où est-ce que je suis pas toujours juste en train de vous compter... Excusez, là, vous comptez de la marde, là, excusez-moi, là, bon, tu sais, puis je suis pas toujours juste en train de faire des niaiseries puis des blagues, hein, ben, y en a bien, moi, que je vois, là, je veux dire, hein, ils sont excellents, soit dit en passant, ils font de très belles jobs. C'est pas parce que vous apprenez quelque chose, t'sais, le show, il est vraiment pensé pour ça, il est vraiment pensé de façon pédagogique à vous aider à comprendre les choses. Donc, écoutez, je pense que ça vaut toujours la peine de partager le savoir, parce qu'à la gang, on sait tout, donc... Partagez, s'il vous plaît, ça va nous aider. Et en parlant de partager, moi, je vais partager avec vous Planète Nutrition. Alors, le seul endroit où est-ce que même les martiens les plus, mon Dieu, les plus obscurs se pointent pour aller chercher des suppléments. Alors, vous allez voir Matt, vous allez voir Will, vous allez voir le baraquet, le beau au comptoir, puis le gars qui se cache en arrière à ce dépôt des fidrines Sado. Ouais, ça a l'air de rien, mais l'autre jour, il m'a fait faire un méchant saut. Il y avait un pot en arrière d'un étagère. Ah! Il est sorti, là, je ne l'avais même pas vu. Yes, il est vraiment un format microscopique. Là. C'est le gars de l'entrepôt, il fait une Christie de belle job. Donc, Matthew Simons et William Derry sont les deux propriétaires sur Bouvier, au 670 Bouvier, local 145. Donc, écoutez, vous passez directement chez Planète. Il y a des gens qui me disent, écoute, moi, je ne suis pas de la ville de Québec. Vous pouvez appeler chez Planète là, vous pouvez commander là, par carte de crédit, on va vous le shipper. Vous... Bon, OK. Alors, il y a d'autres places en région où est-ce que vous avez des boutiques. Il y a Lévis, Trois-Rivières, etc. Bon. Mais le siège social, c'est ceux-là avec qui je travaille. Le code promo, c'est Pompe Grondin. J'ai pas demandé à personne de me pomper. Là. C'est pas ça que j'ai demandé. C'est Grondin! Alors, E.T., l'endroit, calme-toi. Et voilà. E.T., Paname, papip! Okay. Alors, on n'en veut pas. Alors, du moins, P-U-M-P, Grondin. Alors, quand vous appelez chez Planète, vous dites, moi, j'ai des suppléments à m'acheter. Le code promo, c'est Pompe Grondin. Alors, vous dites ça tout simplement et ça va vous faire un deal. OK. Si vous n'êtes pas du Canada, si vous n'êtes pas de Québec, vous pouvez appeler directement mon chum Frank Allegra en Europe au westside.nutrition@gmail.com. Westside, W-E-S-T-S-I-D.nutrition@@
arrobase, ça se dit. Gmail, pas Gmail, là, j'aime les gays, mais c'est pas ça. Là. G-M-A-I-L, gmail.com. OK. Et c'est au un place Boutou. Hein, ça, ben moi, j'aime ça, c'est bon tout, mais moi, je dis Boutou, ça fait plus cosmique. Alors, c'est intersidéral au 05 000 Galpes. C'est dans le département 05, dans les Alpes, tout simplement. Et vous allez trouver l'ensemble de tout ce que vous avez besoin, des conseils, etc. Demandez ça. On n'avait pas de mot d'ordre particulier, je pense. Regarde, c'est pas compliqué. Vous appelez, vous dites, moi, je connais Coach Grondin. OK, dites ça à Frank, là, c'est sûr qu'on va se reconnaître, ça va bien aller. OK? Et si vous êtes tanné de vous faire faire des vêtements qui ne vous font pas, si vous êtes tanné d'acheter des vêtements qui ne vous font pas, Valin Confection, hommes et femmes, confection sur mesure, arrêtez de penser que ça coûte les yeux de la tête de vous faire faire des vêtements. Au contraire, vous allez en acheter des beaux, vous en faire faire des beaux. Allez voir ces gars-là directement au 3180 Chemin Sainte-Foy. Regarde, ils sont sweet, ils travaillent bien. De toute manière, même moi, pour le temps des fêtes, je vais y retourner encore. Là. Deuxième habit. Non, mais sérieux, là, c'est écœurant. Hein? Vous sortez de là, vous sortez comme le roi d'Angleterre. Tu sais, vraiment, là, ils s'occupent de vous, ils vous encadrent, ils ont des belles affaires, ils font des belles jobs. Tu sais, c'est valorisant, c'est le fun. Tu sors de là, tu fais comme, mon Dieu, j'ai du service. Hein? C'est assez dur aujourd'hui d'avoir du service, ça c'était cœur. Hein? Partout ce que tu vois, il n'y a pas de service. Ça n'est décourageant, là. C'est questionnable. Hein? T'sais, même moi, je vous dirais, je suis en train de refaire mon terrassement chez nous, puis je me suis fait livrer des arbres chez nous. Et je me suis fait livrer des arbres, et ils n'ont pas livré à la bonne adresse. Trois maisons plus bas. Pourtant, le gars sur sa facture, c'était vraiment marqué mon adresse, là. Alors, le gars, il m'a dit, oh oui, je t'allais livrer les arbres chez vous. Ben, ouais, t'es-tu sûr? Ouais, t'es-tu sûr qu'il est au XXX, telle rue? Ouais, ouais, t'es sûr que c'est ça? T'es sûr? Il dit, ouais. Ben, je sais pas dans quelle branche ils prennent les bérets comme toi, mais t'es prêt après à compter, mon Chris. Excusez, je suis direct un petit peu. Tu sais, c'est pas compliqué, je t'ai pas demandé grand-chose. Tu sais, tu viens livrer à cette adresse-là, faut vraiment que tu sois cave, là. OK? Mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis fait rembourser ma livraison parce que je paye pas pour l'incompétence, là. C'est pas une question de montant, là. Vraiment pas, là. Et la femme, elle m'a dit, OK, alors on vous rembourse, y a-tu d'autres choses? Pas, on s'excuse. Pas, voulez-vous échanger quelque chose? Voulez-vous acheter d'autres choses? On peut-tu vous. Zéro! 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 Ben, j'y retourne pas. Hein? C'est ça. C'est un jardin paradis. Elle est pas là. Hein? Pas de service. Fuck off. Allô, Floralie de Juvence. Ils sont fins puis ça sent bon. Hein? Parfait. Bon, c'est ça. C'est ma mère, elle disait tout le temps ça. Un otage, c'est tout ce qui nous reste. Hein? Ben paraître puis sentir bon. Et voilà, bon. OK. All right. Donc, du moins, je vous dirais, écoute, on revient cette semaine encore avec la créatine. Je vais commencer avec les actualités. Je n'ai pas nécessairement de volet activité physique de ce temps-ci parce que j'ai beaucoup de matériel à partager avec vous. Puis, c'est l'été, puis je pense que j'aime ça vous jaser. Donc, je reste assis, puis j'ai bien du plaisir. Bon, on va revenir avec ça de toute manière. On en aura d'autres. Il y a tellement de choses à apprendre. Donc, très important de comprendre que nous sommes directement au 3055 Boulevard Amel, local 114. On nous rejoint très facilement au 418-204-8246. Le 204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que la créatine est à revoir et à comprendre au lieu de rester ignorant et manipulable. Oh boy! Effectivement, oui. Alors, je vais commencer cette semaine avec mes actualités. Pip, 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 les actualités de la semaine. Bon, écoutez, je vous avais parlé un peu du très, très Trépidant Rémi Normand. Alors, moi, j'ai fait des petites recherches ce matin. Rémi Normand, c'est « Who is the fucking hell is Rémi Normand? » C'est le président du RTC. Bon, puis vous allez comprendre que c'est comme un plongeur qui est rentré dans un restaurant qui a fini gérant. OK, écoutez bien ça. C'est qui, ce gars-là? Fort d'une carrière de près de 35 ans au gouvernement du Québec. Hein, ça part mal, là. Ça veut dire que le gars, il a passé sa vie d'un bureau. Le gars n'a aucune idée c'est quoi le plancher de la vraie vie. Le monde, il sait pas. Il sait pas, là, OK? Alors, est détenteur d'une maîtrise en administration publique à l'ENAP. Ben moi, j'ai un bac en relations industrielles, puis je vais vous dire une affaire, on est juste pas loin. OK? Tu sais, une maîtrise, là, c'est un an de plus. Il y avait un projet d'études. Oui, oui. Rémi Normand a été successivement agent de recherche. C'est obscur comme poste, hein? C'est... Analyse et cadre au ministère des Affaires municipales, secrétaire du Conseil du Trésor. T'sais, ça monte tout le temps en pompage, hein, son histoire. Au ministère de la Sécurité publique. OK, parfait. Travailler aussi sur des processus de révision de l'organisation policière. Hey, c'est obscur, ça. Hein? Ça peut être bien d'affaires, ça. Et la conception de plans de gestion des biens issus de la criminalité. Ben oui. Ben oui, c'est bien dur de savoir ce qu'on va faire avec. Bouchez le trou, s'il vous plaît. C'est éponger la dette. Calvaire, c'est pas dur. À la Société de la faune et des parcs et au Centre des services partagés du Québec. Bon, de 2008 à 2010, il a occupé la fonction de directeur de la Commission de l'accès à l'information. Pff, c'est assez ronflant comme carrière, hein? Je vais vous dire une affaire, là, quand tu te fais un nom avec ça, là.
Rémi Normand est spécialisé. Oh, un instant, il est spécialisé. En sodomie. Non, c'est pas ça qui est marqué. Dans la conception de l'analyse de. Dans l'analyse des politiques publiques, la planification stratégique et opérationnelle. Je suis plus capable. Ça n'a pas d'allure, c'est n'importe quoi. Là, c'est, non, mais tu sais, c'est vraiment un discours de politicos, là, carrément. Là. C'est quoi ça de la stratégie opérationnelle? Hey, c'est-tu vague, ça? Ça me fait penser quand j'ai eu mon premier gym, puis la femme qui était là, c'est une jeune. Tu sais, genre, je parlais, puis le poil, il levait ses bras, là, tellement qu'elle capotait. Là. C'est quoi votre plan d'affaires? Mon plan d'affaires, c'est réussir. Les autres, ils s'attendent à ce que tu lui fasses là, un document de 10 pages. Là, la première année, je vais vendre tant de chèques avec tant de pelules. Je vais vendre tant d'abonnements. Tu sais, ce monde-là, il habite pas sur la terre. Tu vas vous dire, c'est quoi le meilleur plan? C'est de pas de n'avoir. C'est bon, ça? Pas compliqué. Tu as un plan A, tu as un plan B. Ce qui est important, c'est que si tu ne te rends pas à planter. Si tu ne te rends pas là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est tout. OK? Alors, stratégie opérationnelle ainsi que dans les négociations d'entente fédérale-provinciale. Lui, il est spécialiste des négociations. Lui, ce gars-là a envoyé se promener le directeur de Revenu Québec en disant que les 3 000 employés de Revenu Québec n'étaient pas assez importants pour justifier que la cochonnerie de tramway qu'on essaye de nous rentrer à quatre parts où ce que le dos perd son nom. Ben finalement, c'est que... Comment je pourrais vous dire ça? Finalement, ce qu'il a expliqué, c'est que de faire un détour, ça coûterait trop cher. OK. On est prêt à mettre 3 milliards. 3 milliards! Ça ne restera pas à 3, ça va atterrir à 7-8, là. OK? Dans une cochonnerie qui va servir à peu près à quelques promoteurs immobiliers puis à certaines personnes. Moi, le premier, j'habite en banlieue. Jamais je vais le prendre. Le tramway, j'ai pas accès à ça. Ce sera pas une facilité pour moi. Je vais le payer, par exemple. On peut être sûr que je vais le payer. Ouais. Puis le monde du transport en commun, vous pensez qu'ils vont payer ça? Non. Ils payeront pas plus cher à ce monde-là. Ils vont payer le petit passe d'autobus. Puis ils payent pas la réparation des rues. Hein? Puis ils payent pas. Hein? Nous autres, on paye avec nos plaques, avec nos permis, avec le gaz. C'est rendu qu'ils sont à veille de taxer ta heure, sont à veille de taxer l'air, sont à veille de... Hein? Ah, t'as mis tant d'air dans ton pneu. Ah, il y a une taxe là-dessus. Ah, c'est en plein ça. C'est quasiment inquiétant. Donc, toujours le très sodomisant Rémi Normand, membre du conseil exécutif depuis 2013, membre du conseil exécutif. De quoi? Conseil de quoi? Il conseille à qui, lui? OK? Et vice-président... Ouf, ça j'ai mal au cœur. Et vice-président du comité exécutif depuis mai 2018. Ah, c'est assez frais, ça. Hein? Ça veut dire que ça, t'as pas d'expérience. Hein? C'est ça que ça dit. Il est responsable des dossiers suivants. Lui a dit au directeur de Revenu Québec, va te promener sur un ton condescendant. Comme M. Labeaume fait avec tout le monde quand tu y parles, là... Ah, mais c'est pas au courant. Je suis allé voir ailleurs, mais à Pittsburgh, là, ils font d'autres affaires, vous êtes pas bons, là, ils comprenaient pas. Là. Avec toutes ces petites cochonneries, là, quand il s'en va ailleurs, là, la grande roue, puis le miroir d'eau, puis la... Tu sais, lui, là, il aime ça, là, essayer de faire parler de lui, là, mais tu sais, bon, le complexe de Napoléon, tu sais, 5 pieds 2, pas trop cassien. Il a fait de l'argent avec les minerais, il est juste chanceux, parce que dans le fond, on va arrêter ça là. C'est bon, écoutez bien, j'ai toujours bien de la compassion pour les gens quand ils sont malades, mais ça reste que... Tu sais, une maladie des couilles, puis une maladie dans la tête, c'est deux maladies. On s'entend là-dessus, là. Alors, Rémi Normand s'occupe des dossiers suivants. Transport et plan de mobilité durable. Approvisionnement et finance. Ouf! Approvisionnement et finance, OK. Il est également président du réseau de transport de la capitale, si on est au courant, et président de l'arrondissement de Sainte-Foy, Sillery-Cap-Rouge. C'est quoi, je vous disais tantôt? D'après vous, ça va desservir qui? Puis à qui ça va être pratique? Pas sûr que le monde en banlieue, dans le coin de Lac-Saint-Charles, ils vont avoir accès à ça, un tramway, moi, pas sûr. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'on va tout être une gang de moutons qui vont encore payer ça. Là. Le taux d'acceptabilité, OK, non imputable au Québec et de manière, je vous dirais, exponentiellement dérisoire. C'est fou de voir comment est-ce qu'on est capable de faire gober n'importe quoi à n'importe qui ici. C'est incroyable. OK. Donc, du moins, ça aurait été intéressant que les gens au ministère du Revenu, à place de se parquer dans la rue, parce que c'est ça le problème. OK, dans ce coin-là, il y a une artère principale et tout le monde se parque là. C'est pas winner. Hein, on s'entend-tu? Alors que ces gens-là auraient pu avoir des facilités de transport en commun. Bon, tu sais, on peut organiser quelque chose qui va faire en sorte que beaucoup de travailleurs, tu sais, tu pourrais avoir un super parking à quelque part, comme il se fait dans bien d'autres villes, là.
OK? Puis là, tu te prends ton tramway puis tu t'en vas travailler. Quand tu as fini, tu reprends le tramway, tu prends ton char, tchao, bye. Hein? Tu t'en vas sur la rive sud, tu prends le troisième lien. Wow! 20 minutes, tu es chez vous maximum. Salut, tu as passé au travers de tout. OK? Pas sûr qu'on s'enligne là-dedans. Pas sûr. OK. Donc, du moins, c'était une de mes principales actualités. Il y a la grève de la CEPAC aussi. Ça, cette semaine, ça a sorti. La CEPAC, pour les gens qui ne connaissent pas ça en Europe, c'est la... c'est quoi déjà? C'est la société... des parcs et... c'est la société des parcs du Québec. C'est en plein ça. Bon. Moi, je vais être franc avec vous. Là, c'est les vacances de la construction qui commencent, même si les capsules sont intemporelles, je suis capable de vous en parler pareil. Les deux dernières de juillet. Ouais, il y a une affaire qu'on va se dire tout de suite. Là. Moi, si je mettons exemple un gars qui travaille dans le béton, et j'ai pas de lien avec le film Queue de béton, puis j'ai travaillé pendant toute la première partie de l'année comme un enragé pour me payer un petit chalet avec ma femme et mes enfants à East Broughton. Puis je m'en vais dans ce coin-là parce qu'il y a un parc, là, puis il y a des petits animaux, là, puis mes enfants aiment ça. Là. Si j'arrive là, puis le pompon de la gate me dit « Monsieur, vous avez fait accès à votre chalet? » Ouais, ça va mal finir. C'est sûr que ça va mal finir. La preuve même, c'est qu'en parlant encore aux nouvelles à matin, il y a beaucoup de membres de la Sûreté du Québec qui vont se promener un petit peu partout au Québec, au travers des parcs, etc., partout pour superviser puis s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Tu sais, le Québécois cochon payeur de taxes moyen, là, il n'y a pas de lien avec le fait que toi, tu as choisi de t'embarrer d'une cabane, et de dire bonjour au monde, salut. Tu sais, toi, tu es préposé à l'accueil, mettons, exemple, au Parc Omega. On ne te payera pas 25$ de l'heure, là. Hein, c'est pas une carrière. On te donne 12$, 13$, dans la... c'est ça que ça vaut. Ah non, moi, je vais te payer 25. Non, ça marche pas. Salut, Raph. T'sais, ça marche pas, ça. Non, ça vaut pas ça. Il y a des gens qui sortent de l'université avec des bacs, on les paye 22$ à l'heure. Je sais pas, là, tu sais, t'es assis dans ta cabane avec les mouches, là, à te pogner les schnauzes, là. C'est encore beau qu'on te paye ça. C'est encore beau que t'es payé. T'sais, moi, tant qu'à moi, t'en aurais un 8, là, puis ferme ta gueule. Puis si t'es pas content, ben va sur un boulot. Bon, c'est correct, ça? Bon, ben, ça va te calmer. En parlant de parc et de calmer, écoutez, il y a une autre nouvelle que j'ai trouvée très drôle ce matin que j'ai entendue. Il y a une loi qui a été votée qui a passé pour ça. OK? Le village vacances Valcartier. OK? Et le village Calypso en Ontario. Limite Montréal-Ontario, merci, M. le caméraman. Ont décrété et ont voté la possibilité en date d'aujourd'hui pour les femmes d'être en monokini. OK? Écoutez, on va se dire une affaire. C'est sûr que c'est pas les plus belles qui vont se mettre en monokini. Moi, je vous le dis tout de suite. Ne pensez pas arriver là, là puis voir des babes de Playboy. Là. Je vous le dis tout de suite, là, vous allez pogner un down. Deuxièmement, ensuite de ça, écoutez, moi, si je m'en vais, mettons, au village vacances Valcartier, puis je suis avec mes enfants à bas âge, mettons, une dame de 7-8 ans. Tu sais, quand je suis dans la maison avec ma femme, qui voit leur mère, mettons, exemple, en bobette, les seins à l'air, ben c'est maman. Tu sais, ça va, là, ils font pas de buzz avec ça, là. Comment expliquer ça à un enfant de 7-8 ans que madame qui est là, pleine de tatouages avec ses piercings, ou Nicole, 58 ans, a décidé de revenir en jeunesse, puis elle se promène avec les bongos, tu sais, à l'ail. Je sais pas, là, tu t'en vas faire l'Everest avec pas de top, là, je sais pas ce qui... C'est, hein, là, hein, la gravité, hein? Ça, c'est le bout qui te frotte, là. Je ne sais pas trop comment voir ça, parce que nous autres ici, les Nord-Américains, on n'est pas comme vous autres, les Européens. Nous autres ici, une femme pas de top, elle va se faire regarder. Puis surtout, si elle a une belle paire de seins, puis si elle paraît bien, là, c'est pratiquement un appel à l'agression sexuelle. OK? Chez nous, ça ne fonctionne pas comme chez vous. On n'est pas habitué de voir ça. OK? Ici, les femmes ont un haut et un bas. Mais ce qu'il disait, par exemple, c'est que c'est important que tout le monde ait un bas. Bien là, j'espère bien, parce que là, si je m'en vais au village Valcartier pour voir des pochetons se promener sur des tripes, là, je pense que ça vient de me péter mon trip bien comme il faut, là, tu sais. C'est le cas de le dire, je vais repartir juste une gosse. OK, je resterai pas là. Je vais repartir avec mes gosses, là, tu vois, là, ouais, là. Donc, je sais pas trop quoi penser de ça. Écoutez, on va attendre de voir un peu comment ça se présente. J'ai des inquiétudes. T'sais, salut, Ralph. Je vous dirais, j'ai des doutes. Tu sais, il y a des endroits où... Exemple. Bon, mettons, je suis au village vacances Valcartier, je me suis pris une place de camping. Il y a des femmes qui sont là, qui se font bronzer en monokini.
C'est correct. Ça va. C'est leurs petites affaires à eux autres. On est sur le running. Je suis en train de glisser avec mes enfants. Je comprends pas trop. Mais bon, écoutez, ce sera une histoire qui restera à suivre. Mais du moins, les gars, je vous le dis tout de suite, pensez pas voir les plus belles se mettre en monokini, là, je vous le dis tout de suite. Là. Moi, j'étais allé une année à Cuba, là, puis j'étais arrivé à une plage où tu avais le droit de faire du nudisme. J'ai fait un saut, hein, parce que c'est pas les belles qui se mettent tout nus. Non, non, ceux-là qui se mettent tout nus, il faut que tu roules dans la farine savoir où est-ce qu'ils mouillent. OK, c'est à peu près ça. Fait que c'est inquiétant, OK? De retour, après le roulage en farine. Merci. Merci. Vous savez, ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi, c'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Alors, la créatine comme telle ne se retrouve pas seulement dans vos muscles, mais dans bien d'autres fluides des organes corporels que vous avez. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important. Entre autres, vous avez de la créatine dans le sperme, OK? Parce que la créatine donne assez de pouvoir aux spermatozoïdes avec le tail whip pour se promener tout le long du canal vaginal pour être capable d'aller féconder. Donc, c'est bon pour la fertilité. Dans vos yeux, OK? Dans vos yeux, la créatine, OK, va faire en sorte to translate light and darkness into electrical signals, OK, to generate vision. Donc, dans vos yeux, on est toujours correct, monsieur le caméraman, c'est bon, parfait. Dans vos yeux, tout simplement, on est capable de dire que de la lumière à la noirceur, ça génère de l'électricité qui nous donne la vision. Donc, la créatine sert à ça, OK? J'ai parlé tantôt de l'ouïe dans vos oreilles, OK? À l'intérieur de l'oreille, dans les cheveux, OK? La créatine donne beaucoup de pouvoir à l'hypersensibilité de bien entendre, rester balancé en équilibre. Comment on appelle ça déjà à l'intérieur de l'oreille? Pas le cochlée, là, mais voyons, le labyrinthe. Ouais. On pourrait dire ça comme ça, je pense bien. Oui, je pense que oui. Tu sais, quand tu fais une labyrinthite, c'est ça? Ouais. Je pense que oui, effectivement. Donc, l'ensemble de tout ce qui se trouve dans vos oreilles. OK? OK. Oui, la créatine nous protège des bruits qui sont trop forts et qui font en sorte qu'on peut perdre l'ouïe. Ça ne veut pas dire que d'écouter de la musique comme un enragé avec un Walkman puis vous prenez de la créatine, ça va vous épargner ça. C'est pas ça que ça dit. OK, bon. Ensuite de ça, la créatine vous donne le pouvoir de mieux absorber vos nutriments au niveau de l'intestin. OK? Et protège ce qu'on appelle, à l'intérieur du tube digestif, vous avez des petits poils. OK? Ces petits poils-là qui ne se rasent pas, soit dit en passant, tu peux pas aller voir, là... Tu peux pas aller voir là, l'esthéticienne te faire enlever ça. Là. Donc, tu sais quoi qu'il y a des femmes qui seraient assez zélées. Là, j'ai du poil en dedans, je le veux pas. Ben, c'est ça. OK. Donc, du moins, je vous dirais, ça renforce ces petits poils-là. Et c'est eux autres qui font en sorte que le péristaltisme de l'intestin se fait mieux. Ça les régénère et ça les rend plus powerful. OK? La créatine aussi, je vous dirais, est capable d'apporter, OK, une très grande quantité d'énergie pour les remplacer au niveau des cellules. OK? Et on suggère aussi que la créatine, OK, amène une santé au niveau de la digestion et au niveau de tout ce qui est gastro-intestinal. Dans votre peau, OK, on est capable de dire sur la surface, sous la surface, OK, it power hair grow, ça fait pousser les cheveux, les poils. Oui, voilà, voilà, exact, exact. Et dans votre cerveau, OK, tout pour ça, OK. OK, alors, our brain, OK, are only 2% of our body weight. Le cerveau, c'est 2% de votre poids total. OK, mais lui utilise 20% de votre énergie. OK, donc, il y a beaucoup d'énergie qui provient de là et la créatine va nous aider à ça, OK? Donc,
Même chez les gens, OK, je vous dirais, qui ont été diagnostiqués avec des dépressions majeures, OK, on s'est rendu compte que 5 grammes de créatine par jour pouvaient vous aider à contrer ça, comme le St. John's Wort, qu'on appelle le mille pertuis aussi, comme bien d'autres choses, le ginseng, etc. C'est, à place de prendre des pénils, j'ai le docteur. Hein? Ah, moi, je prends des antidépresseurs. Aujourd'hui, je suis heureux, là, je suis souriant, là, je me vois même plus le pocheton. Ben, c'est ça, c'est le fun à mort. Hein, c'est ça. Faut que je me roule dans la farine, ça va, c'est que ça rentre. C'est ça. Bon, c'est pas bon. OK, les sortes de créatine, parce qu'il y en a plusieurs, là. On écoute. La créatine monohydrate, citrate, phosphate, malate, tartrate, magnésium, micronisé, anhydrate, HMB, tricréatine orotate. OK? Ester de créatine. Créatine effervescente, créatine titrate, gluconate de créatine, créatine liquide. Ça commence à faire le tour, comprenez-vous? Dans l'ensemble, oui, je peux pas te déranger. Là. I cannot be disturbed, this is live. Yes, yes, yes. Ah, you go ahead, buddy, go ahead, yes, yes, yes. C'est un de mes clients, c'est M. Schuster lui-même, il est ici, qui s'est abonné. Salut! Salut, salut, salut. Hein, c'est pas une joke quand je vous dis que... Hey, c'est pas une joke quand je vous dis que j'ai du vrai monde chez nous. Là, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais demander à mon caméraman Claudius, OK, de prendre le tableau qu'il y a là. OK, ça, là, je vais vous le montrer. Ça, c'est très important, mesdames et messieurs. Ça, c'est Dr. Batman qui m'avait donné ça. OK? Alors, ça, c'est Steph. Est-ce que je suis assez haut? Alors, on va zoomer comme il faut pour bien voir. Je le descends un petit peu. Alors, vous me direz quand on est correct. OK. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse comme ça pour que vous ayez le temps de le voir. Même à la maison, si vous voulez, vous êtes capable de peser sur pause temporairement et de regarder. Vous avez le dosage de créatine, tout dépendant de votre poids en livres ou en kilos. Okay. C'est un outil de travail indispensable. Il est très rare à trouver et ça me fait excessivement plaisir de le partager avec vous, chers auditeurs. Servez-vous de ceci, ça va vous aider amplement. C'est un petit cadeau. Voilà. OK. Donc, exemple, moi, si je regarde dans mon range à moi, moi, je me trouve être un gars, exemple, de 207, 208. Alors, 190 à 210 livres, c'est 6,2 à 6,9 grammes. Alors, quand je vous dis que je prends 3 grammes avant, 3 grammes après, c'est pas une joke, là. Tout le monde, ils font comme, voyons, non, c'est ben trop. Ben non. Mais tu y vas avec ton poids. Si t'es un gars d'environ 150 livres, OK, c'est 4 à 5 grammes. Alors, 2,5 avant, 2,5 après. C'est directement ça, OK? La créatine dans les aliments. OK, on va retrouver ça dans la viande rouge, le porc, le poulet, le poisson, OK? Et je vous dirais dans certains types de dairy, OK, produits laitiers, dérivés, les œufs, les shellfish. Ça, je vous dirais, c'est tout ce qui est en coquille, là. Les clams, les huîtres, bon, c'est, moi, des affaires, j'aime pas. Les mollusques, là, bon. Tu sais, des affaires, on dirait que t'avales d'amorphe, là. Bon, en tout cas, il y en a comme ça, là. Moi, j'avais un de mes chums, il aimait ça. Il prenait des huîtres, mettait ça dans la bière, là. Puis il se tapait ça, là. Ouah! Tabarnouche! C'était que, mais tu sais, une petite huître avec du citron, c'est bon. Mais tu sais, t'en manges pas 80, ça lève le cœur un peu, là. Mais tu sais, là, des clams, puis des palourdes, là, puis des. Bon, tu sais, il y en a qui triplent là-dessus, là. Moi, ça me rappelle une fille que j'ai... Ah, j'embarque pas là-dedans. OK, oublie ça. Bon, c'est bon. OK, donc, je vous dirais que... Bon, et dans plusieurs organes aussi au niveau de la viande, comme le foie, le cœur, les reins. Bon, pour ceux qui aiment ça, manger ça, là, des abats, là. Moi, j'ai connu un de mes clients qui était un cultivateur, là. Lui, il mangeait du cœur de bœuf bleu dans la poêle, là. Il disait que ça faisait pousser du poêle sur le torse, là. Moi, vous dire une affaire, trouvait qu'il était assez élevé, lui. Allez, gars, chacun son truc, là. Mr. Schuster, have a nice and fucking day, buddy. Yes, yes, yes. Hey, take care. Hein? Okay. Yes, Harvey Dozen. Yes. OK. Donc, une chose à savoir aussi, c'est que la créatine se dégrade quand vous cuisez la viande. Alors, quand Michel Gagnon vous dit de manger de la viande pratiquement crue ou pas trop cuite, il l'a parfaitement... Michel Gagnon a toujours raison. Alors, Panoramix étant le dieu planétaire des suppléments, Michel Gagnon a toujours raison. Voilà. Bon, alors, comme je vous dirais, tout dépendant à ce moment-là, je vous dirais... Increase, degree... Bon, tout dépendant, je vous dirais, exemple, mettons, du taux de cuisson que vous donnez, vous dégradez votre viande d'une certaine manière, bon, etc., etc. Je conseille toujours de... Écoutez, mangez pas de poulet cru, là. Pas une bonne idée, on s'entend, là. Mais, tu sais, exemple, t'sais, même du porc, là, tu sais, on va se calmer, là, à un moment donné, là, bon. Mais, tu sais, comme de la viande rouge, ça peut être mangé un peu plus cru.
T'sais, tu peux en manger straight de même. Moi, quand j'étais jeune, je mangeais ça là, avec maman. Là. T'sais, on se faisait du steak haché, puis quand il arrivait frais là, de la boucherie en bas, là, chez M. Alain, là, on se faisait des petites mini boulettes de steak haché tout petites. Là. On mettait un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Là. Hey, ça, là, tu peux t'en enfiler 7-8. Là. Il est frais, là, tu le sens. Là. Il sent bon. Il y en a qui vont dire ça m'écœure. Ben, ça dépend. Moi, vous dire une affaire, ça donne du gaz, mais pas à peu près. OK? Bon, alors à savoir que la créatine est un peptide, une molécule de peptide, OK, qui crée de l'énergie chez les êtres humains, qui doit être régénérée, on s'en est parlé. OK, elle est capable de guérir, je vous dirais, la majeure partie des pathologies neurologiques. Entre autres, exemple, mettons, elle a des effets très positifs sur la sérotonine, OK, agit comme antidépresseur, OK, parce que c'est tout en anglais, donc j'essaie de vous le traduire le mieux que je peux. OK, parfait. Oui. Elle peut même contrer les effets du Parkinson. OK, je vous en ai parlé la semaine passée. Moi, je n'ai eu des parkinsoniens, mais je n'étais pas capable de rien leur prescrire parce que moi, je suis un pas bon. Moi, je suis un paria, je connais rien. Hein? Le pharmacien, lui, le sait. C'est ça. Mais moi, il est pas bon. C'est ça. Et qu'ils prennent des penules parce que c'est plus payant. T'sais, vendre de la créatine, c'est pas payant. T'sais, à long terme, c'est pas payant, mais vendre des penules, ça, c'est payant. Oui, ça, c'est 1200 milliards de revenus par année sur la Terre. Ouf! Hey, c'est du cash, là. C'est hey, 1 milliard, c'est 1200 milliards, c'est malade. Et puis ça, si je me rappelle bien, c'est pas planétaire, c'est juste aux États-Unis l'année passée. OK? C'est malade. Les médicaments sur la Terre, ça doit être à peu près 2 000 milliards par année. Ça doit être comme c'est fou. C'est fou, le cash qu'il y a là, ça n'a aucun sens. Okay? Ça prévient les problématiques de diabète chez la majeure partie des individus et ça augmente le taux de cognition potentielle. Okay? Donc, souvent confondu, la créatine et la créatinine sont deux substances distinctes. Okay? Et l'une est utile pour vos muscles, l'autre est simplement un déchet. Alors, le déchet qui est allé dire à mon client que son taux de créatinine était trop haut parce qu'il prend de la créatine, ah! Au sort du pro! Maintenant, on est capable de vous dire que c'est faux parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent interférer. Dans une certaine mesure, oui, cette personne-là a raison. À 15 %, à 85 % non. Okay? Donc, la créatinine est un déchet. La créatine est une protéine qui attire l'attention des amateurs des salles de musculation. La créatinine, en revanche, est un déchet organique qui provient de la créatine. Une fois dans l'organisme, elle est filtrée par les reins et évacuée par l'urine. Tout simplement. OK? On est capable de se dire aussi que la créatinine est un indicateur précieux pour se donner une idée sur la capacité de la fonction rénale. Ça, on sait très bien ça. Ça n'a rien à voir avec rénal le mieux, là. OK? Je le connais pas. Bon, OK? Hein? C'est ça. Ouais, vous pensiez que c'était ça. Je suis surpris. Vraiment. Voilà. Puis, la grosse salle, Magava, hey, restez là. C'est une joke. Prenez pas ça de même. C'est parce que c'est vrai qu'elle n'est pas bien. Mais non, mais tu sais, moi, je l'ai vu passer l'autre jour. Elle est venue vous chercher ici avec votre espèce de charogne de char, là, ouais, qui ressemble à votre barbe, finalement. Là, ouais. En tout cas, moi, avec un bâton à 100 pieds, là, j'aurais peur de pogner quelque chose. C'est ça. Ouais. Hein? Oui, je peux-tu? Ouais, merci. OK, parfait. Non, mais vous partez en vacances, fait que prenez un brique de marchage. Là. OK, parfait. Oui, la créatinine a une grande valeur de diagnostic en urologie. Le dosage de la clairance de créatinine, capacité du rein à épurer la créatinine, c'est ce qu'on appelle la clairance, permet de confirmer une insuffisance et d'en établir un certain degré. Alors, c'était l'ensemble de la capsule pour la créatine. J'espère que je vous ai aidé, je vous ai démêlé. Excusez-moi, j'avais déjà fait une capsule là-dessus, mais là, c'est parce que quand j'entends des choses farfelues un peu, je préfère peut-être faire un review puis revenir avec vous autres là-dessus pour qu'on se démêle. Alors, on est toujours très facile à rejoindre quand nous sommes au 3055 Boulevard Hamel, local 114, le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec. Vous savez où nous rejoindre? Vous faites le 418-204-8246, le 204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région du Métal de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre désir est plus fort que vous, mais moins que 6 grammes de testo. Oh boy, yes. OK. Donc, la prochaine capsule, ce sera peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines, parce que mon caméraman, il part en vacances, puis il veut avoir la crise 2. Bon, ça, j'en parlerai pas de ce bout-là, là, c'est ça. Il veut avoir de la joie dans le bonheur. Hein? Voilà, ça se dit, ça, c'est bon, c'est bien dit, parfait. Donc, je vous dirais, dans deux semaines, on va se revoir pour une prochaine capsule qui sera une capsule sur le nandrolone des canoates ou le déca du robolin.
Bon, alors, j'ai jamais fait de capsule sur le décal du Robolin. Je vais vous en parler un peu pour savoir un peu qu'est-ce que c'est, d'où est-ce que ça sort. C'est un stéroïde. Il faut savoir ça. Ça a été premièrement inventé pour guérir des grands brûlés. Puis ils se sont rendus compte finalement que quand on donnait ça à un gars qui n'était pas brûlé pantoute, mais non seulement il n'était pas brûlé, mais il y avait du gaz en crisse. Brûlé, gaz. Sac à blague, patasse. Psh, excellent. OK. Alors, sur ce, fin de la capsule. Je vous revois pour le prochain show au Show du Pro!